Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, vos grand-mères les conquistadors, qui ont le ballon d'or, les amis. Je vais parler de Luka Modric. Il est ballon d'or 2018. Il succède à Cristiano Ronaldo. Il succède à Lionel Messi. Il met fin à cette rivalité. Cette rivalité prend fin, les amis. Je vais vous faire le classement du podium. Modric est premier avec plus de 700 votes. Deuxième, Cristiano Ronaldo. Deuxième avec plus de 400 votes. Et Mbappé Nice, c'est cette première noisette à concourir au Ballon d'Or, a fini avec plus de 320 votes, les amis. Il faut en parler. Modric mérite le Ballon d'Or. Je vais vous dire pourquoi. C'est le premier footballeur croate à atteindre une finale en Coupe du Monde, les amis. Il a mené son équipe en finale, alors que personne s'attendait à voir la Croatie en finale de Coupe du Monde. Il faut en parler. Mais avant la Coupe du Monde, il a fait un exploit, celui de remporter pas un, pas deux, mais trois Ligues de Champions d'affilée, les amis, avec la même équipe, le Real de Madrid, les amis, le Real Madrid. Qui ne saute pas n'est pas Modric. Dric. Qui ne saute pas n'est pas Modric. Dric. Les amis, je suis content pour Luka Modric. J'aurais préféré que ça soit un Français qui gagne la Coupe du Monde, les amis. J'aurais préféré que ça soit Antoine Griezmann ou Mbappé ou Raphaël Varane, les amis. Il le mérite amplement. Cristiano Ronaldo, je vois pas pourquoi il, à part gagner la Ligue des Champions et avoir fait des débuts convaincants face à Juventus, je vois pas pourquoi il aurait fait deuxième. Pour moi, premier Modric, deuxième Mbappé, troisième Griezmann, quatrième CR7, quatrième j'aurais mis. Vous allez me dire, Antox, pourquoi t'as mis Antoine Griezmann deuxième? Ben, je vais vous le dire, les amis. Griezmann a remporté l'Europa League. Et il est champion du monde. Avec les Bleus. Mais Modric mérite largement son. Franchement, il mérite. Parce que il a mené une équipe croate qui ne parle. Je répète, il n'a pas. Il a mis un beau but face à l'Argentine. Il a marché sur l'Argentine en Coupe du Monde. Personne ne s'attendait pendant la Coupe du Monde à ce que la Croatie fasse autant de mal. Et à chaque fois, la Croatie s'imposait en prolongation, que ce soit face à la Russie, face au Danemark ou face à l'Angleterre. Et ils nous ont fait peur. Nous les Français, on a eu peur des Croates, mais heureusement qu'on a eu un Griezmann, un Mbappé, un Pogba. Heureusement qu'on a eu ces joueurs-là, les amis. Heureusement. Sinon, on aurait sans doute pas réussi à gagner la Coupe du Monde. Modric aura encore plus la prétention d'être ballon d'or. Déjà, finaliste, c'est déjà bien. En plus d'être finaliste de la Coupe du Monde, je le répète, il est champion du monde. Et en plus, il a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Enfin bref, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez le petit pouce bleu. Salut tout le monde, à la prochaine!